mon petit Fuegan, c'est quoi ton principal problème, tu penses? Est-ce que tu l'as dit? Moi j'ai un... Quoi? J'ai un herpès. Ouais, j'ai un nez. J'ai un... J'ai pas d'aim. Et puis j'ai du mal, tu sais... En fait, j'ai du mal à rester branché dans le moment présent, genre... Dès que je me fais buter, je reste sur mon kill que je me suis fait buter et j'arrive pas à passer à autre chose, tu vois. Ou genre quand je perds un round, je me dis putain on a perdu le round, ça fait chier. Au lieu de me dire bah non mais c'est pas grave, reste concentré sur le round suivant et concentré sur le moment T et pas sur le moment... Faut que tu choisisses un perso poulet. Le moment T là, le moment T c'est choisir un perso. Exactement. J'arrive pas à parler et à jouer. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? À la limite, au Québec, qui ont une mentalité un peu américaine, ils ont peut-être pas cette mentalité-là et c'est mieux. Mais c'est que, en France, je pense que. On nous habitue à gagner, mais on nous habitue pas à perdre. On nous apprend pas à perdre. Ah, c'est bien dit ça. Ah, c'est bien dit. Allez, tu vois, je pensais que t'allais dire une connerie, mais finalement, je suis assez d'accord avec toi et j'ai envie de te dire je t'aime. Un mort, diffuser. Je dois avoir un cul. Bien les gars, c'est propre ça. Je suis fier de vous. Diffy. Ce que je te disais, c'est est-ce que la technique est bonne? C'est-à-dire, est-ce que bonne souris, bon tapis de souris, etc. Ouais, ouais, ça va. Ça va. T'as quoi par exemple? Une éponge. M65 de chez Corsair et un tapis extended. Ouais, donc de chez Corsair aussi. Propre. Et puis clavier K95. Ok. Après, en termes de technique, donc parfait. Et en termes de technique, c'est quoi ta sensibilité? Alors là, j'en ai rien, je sais pas du tout. 8, en DPI, les DPI, t'as combien de DPI? DPI, je dois être à 600, je pense. Oh, tu dois le savoir, ça poulet. Franchement, c'est un truc, je vais pas dire entre guillemets, je vais utiliser un terme qui est pas vraiment adéquat, mais c'est grave, entre guillemets, de pas savoir son truc, quoi. Moi, je sais, j'ai 410, 10, 35, quoi. C'est un truc, c'est là depuis 3 ans, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Tu dois savoir le nombre de DPI, tu dois savoir si t'as bien mis ton polling rate à 1000. Ça c'est un truc, faites-le sur toutes vos souris. Le polling rate il doit toujours être à 1000, hein, si vous pouvez le mettre à 1000. C'est la fréquence de rafraîchissement en fait. C'est le nombre de fois où... En fait, comment ça marche? Un capteur d'une souris, il faut le comprendre. Vous pouvez taper ça à la limite sur le site Youngtik, j'avais fait un article dessus. C'est une espèce d'appareil photo. C'est un appareil photo en fait, qui fait des images, qui envoie de la lumière, et l'appareil photo fait ta 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 ta, et en fonction du nombre de millisecondes où il va avoir l'information, bah ça déplace la souris quoi. Donc plus ça va vite, plus il prend l'information, et plus bah tu peux faire des... et plus tu seras précis. Et donc ça il faut le mettre à 1000 le polling rate, si vous pouvez le mettre. Donc la fréquence de rafraîchissement en français, taux de rafraîchissement de la souris, 1000. Les souvent hertz. Elles sont à c'est 500 les hertz. Les hertz, en hertz, ouais. En hertz. Et après le nombre de DPI et le nombre de la sensibilité in game avec le raw input, laissez le toujours en on hein. Est-ce que vous avez tous le raw input en on quoi? Ouais, mais j'ai vu Pengu l'a mis en off et j'ai pas compris pourquoi. Bah moi je l'ai mis en off aussi. Bah, ça changera pas grand chose s'il y a rien qui. Si sur Windows t'as les bons paramètres de ta souris, etc. machin quoi. Faut être agressif les gars sur les fenêtres, hein. Faut être super agressif. Oh, mais je l'allume lui. Allez. T'as mon smerry. C'est où? C'est comme nous? Ouais, c'est comme nous. Perdez pas les drones, on les met devant le main. Et l'autre il a tenté un décalage piano tout à l'heure, donc il va le refaire, je pense. Hein. Il aurait tort de pas le faire. Si les fenêtres sont pas cassées, ne cassez aucune fenêtre s'il vous plaît, on en aura besoin. On va pouvoir peut-être aller très vite, on va voir, attendez ce que ça va donner. On peut essayer de les surprendre. Montagne, ne te montre pas trop, parce que derrière t'annonces ta strat. Smoké, c'est smoké. Envoie tes smokes mais tranquille, on les laisse faire, ils vont s'exciter là. Y'a des cams dehors les gars. Y'en a un au fond là-bas. Ça fait péter les trucs, faites gaffe, ça décale sur le côté peut-être. Dans mon dos. Il est à terre, faites mettre, tuez-le, vas-y, ouais, cadeau. Merci. C'est eux de les caler, mais non, rebalance des smokes s'il vous plaît. On rebalance des smokes, tranquille, et on y va toujours pas. Lésion et escabanane. Un écho. Il va toujours pas, faut s'occuper de l'écho les gars. Il est mort, il est... Oh non. C'est pas grave. Reste tranquille, on a le temps, je drone, personne ne plante. On a le temps, je drone. Au top, je crois. Attends, n'y va pas, on a le temps, je drone, ça veut dire bouge pas en fait. Poulet, t'inquiète.
C'est vrai. Y'a personne dans les toilettes? Les sautes dans le main, saute, saute. Y'a personne piano? Je l'entends, je l'entends. Il est contact, contact à gauche, contact à gauche, contact à gauche. On le défonce, let's go. Ça le main, ça le main, ça le main. Il est mort. Nice. Let's go, c'était propre ça, c'était propre. N'oubliez pas, quand vous avez beaucoup de smoke, quand vous avez beaucoup de smoke et que vous sentez que les mecs sont en mode pas trop là mais quand même un peu là parce qu'ils ont fait des trous et que c'est compliqué, n'hésitez pas à balancer, à faire un fake au début quoi. Il va y avoir trop de smoke de toute façon. Vous demandez à vos potes de niquer les Jaegers avec des flashs, derrière vous balancez les smokes. Qui dit smoke dit perte de vision et ça excite tout le monde la perte de vision. Tout le monde va commencer à faire ouais. Surtout si les mecs sont pas en 5 stack en, five stack en face. Bien. Voilà, ils vont dire ça rush, ça pose ou machin. Pas pour moi. Vous avez vu le brain qu'il a, le mec. Et du coup, ça va commencer à balancer des C4, ça va faire des sorties. Parce que le mec qui est en train de roamer, il va avoir l'information, ça rush. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a récupéré Inella qui pensait qu'elle allait trouver 3 mecs de dos. Bah, rectification, il y avait 4 mecs qui la regardaient en fait. Bah oui, mon petit gars, c'est comme ça que ça se passe. Et il a raison, 6-4, il a raison, non, il dit des trucs pas cons des fois. Faut fake juste avec des smokes parfois. Et... Après, faut bien compter le nombre de smokes qu'on envoie. Quoi. Après, si tu fais. Bah, on y va! Mais j'ai plus rien! Ça arrive aussi. Hein. Y en a un, on entend à fond le clavier, les gars. Mort. Le raw input, faut mettre off si tu as du matériel vraiment bien de ce que l'on m'a dit. Moi, j'avais des frises clavier souris avec le raw input on. Quand je les ai mis off, aucun problème. Bah, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Hein. C'est le raw input, ça laisse en fait justement le matériel et la souris décider. Ça veut dire Rainbow Six ne s'occupe de rien. Le raw input, ça viendrait à dire en ça fait. Ça dépend des marques des souris, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avec ce raw input. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Personne dans le corner, personne derrière le comptoir, personne. Spirale. Vous avez trouvé une bombe. Il y a personne en A. Si, il y a un peu. J'ai personne en B, personne en B. Oh non, putain, mec, un moment où je... Putain, on a pas... Putain, en fait, je suis pas bien. Excuse-nous, je te laisse du son. Je te laisse du son, pas de soucis, t'inquiète. Allez les gars, on la joue bien. On peut sortir ou pas? Ouais, je crois que oui. Ouais, c'est un bon. Il y a des fils. Chut. Allez, mais d'où il me décale, il me la met. Les gars, non. Bah les gars non, mais c'est, on te dit que c'est derrière et elle diffuse. Le dernier il est où? On l'entend dehors lui. Les doubles pas, banane, les deux. Il est là. Ah putain, je suis... Il est... T'inquiète. Tu peux ramener ton autre écho? Non, je peux pas. Mais s'il prend du temps comme ça... C'est le mec qui a fait 0 kill, t'inquiète. Ah mais il est en train de droner. Et je suis spoté. Il plante. Il plante. Non mais je rêve. On clapping. Il est où? À gauche ou à droite? Là, sur le ping. T'as touché beaucoup. Il sort. Nice. La clé est mort. Je lui ai fait une boutade, il a... Putain mais deux fois que mon drone déco touche pas. Moi j'avoue. Mais la prochaine fois quand je dis que le diffus est derrière, vous venez tous derrière. Et vous venez m'aider. Eh poulet, désolé, mais on joue non, pas le diffuse. Pas de on joue, pas de on joue l'objectif, hein, c'est à écoute eux moi, d'attaquer, hein, c'est pas écoute nous moi, d'aller Benjamin. Chercher un diffuse. Hein. Écoute-moi, fais tab. Non, c'est toi le MVP moi, là, c'est toi Echo là. C'est quoi? Ouais. Ouais, toi, mec, t'as 10 kills parce que t'en as volé 55. Mais t'es fort en maths toi, t'as combien de moyenne? 3? Ouais, je t'encule toi aussi, Gaston. Là on peut parler un petit peu, et si vous avez des questions à la limite on va prendre 30 secondes un petit peu pour éviter de relancer tout de suite. Parce que vous êtes aussi moi, là pour que apprendre des trucs. Je peux dire un peu ma grande difficulté, mais sinon je peux dire un petit peu le aim, mais je pratique tous les jours pour ça. Vas-y, répète en français maintenant. Je m'entraîne, je pratique. je pratique le aim tous les jours. Puis, mais t'as un bon aim hein, de ce que j'ai vu là. J'ai pas trop vu. Moi, je suis sur les cams, donc tu sais. Et du coup, attends, et ton objectif, tu m'as dit, toi, ce serait de taper un peu. C'est pas qu'un peu, c'est beaucoup l'esport. Ok, d'accord. Quand tu vois au niveau de l'aim, etc., quand tu me vois jouer en terroriste, tu te dis quoi? Ben, ça rentre bien. Puis je non, ça, c'est avec ma mère.